Putain, crever avec une rune, quand même, c'est un peu dégueulasse. Hein. On va... Ah ouais, non, j'avais pas fait gaffe au stuff, mais non, là, c'est hors de question. Je refuse. Ça fait un peu chier, mais bon, tant pis. Sérieusement. C'est pour ça que j'aime pas les dagues jumelles. Tu tapes l'ennemi, soit il va en profiter pour se barrer, soit il va en profiter pour t'en mettre une. Genre le troisième coup ne sert à rien, ils sont déjà morts. Ça, c'est le orbe de merde. Putain. Pourquoi je suis vachement mal là alors qu'avant non? Mais genre j'arrive à les one shot avec une charge. Alors, de l'argent. De l'argent. C'est vrai qu'il y a un truc qui... quand même bien avec les dagues jumelles, c'est genre tu peux garder le troisième coup pour... tu fais une roulade et tu cales le troisième coup. Ça, faut avouer, c'est cool. Et heureusement qu'il y a ça. Faudrait qu'on ait un peu plus de stuff aussi, parce que genre une... Ah bah voilà! Voilà, nous c'est ça qu'on veut. Plus plus, parfait. Donc l'arc de glace, ok, cool. Qui se gomme. Ça se combine bien avec des dagues jumelles en plus. On va aller là. Par contre, les portes chronométrées... Une toile lourde, non, on va prendre ça avec un peu de chance. Voilà, une deuxième. Bon. C'est pas incroyable, mais il y a quand même moyen de sortir full stuff. Les mutations sont des alliés précieuses. Choisissez bien. Oui, je bosse pour le forgeron. Je peux te retaper ton matos pour pas cher, mais c'est pas super officiel quoi. Ça reste entre nous. Bon alors vas-y, t'as combien sur toi? C'est génial! En gros, on peut soit changer les modifiers qu'il y a sur les dagues là par exemple, soit carrément les modifier mais en upgradant. C'est génial! Trop bien! Bon, par contre, une plus-plus avec deux modifieurs. C'est pas le même délire auparavant. Mais en soi, ça c'est cool. On va prendre la réduction du cooldown. Parce que ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est cool. Ce petit changement, ça, c'est sympa. Enfin, ça t'évite, genre, si t'as vraiment pas de chance et que tu tapes que du plus. Bah. Si t'as un petit peu d'argent, il y a moyen de retaper tout ça. Pas de parchemin.
qui serait abusé, ça serait une clé que tu trouves dans un dans une zone secrète comme ça. T'as rien loupé, pas de défi portail. Non, non, absolument rien. On a juste reset une run, classico-classique. T'as absolument rien raté. J'ai upgrade la tour et de l'Europe, tiens. Parce qu'on a découvert qu'il y avait un mob qui pouvait nous upgrade tout ça. Donc en fait, si t'as raté un petit truc. Alors, clé du jardinier. Ok. Nice. Bien, c'est un petit croissant en cas où. On va préparer la transition pour le tactique. Encore ? Alors regardez, on peut les casser directement X. Ah oui, d'accord, mais j'attaque quoi. Putain, alors ça c'était vraiment débile. Hop. Hop là. Oh putain, oui. Pyrotechnie. On va revenir. 6200 il faut. On les aura. Mais pourquoi je tapais ? Un petit peu, on va continuer le niveau et quand on a 6200 on revient. Putain, j'ai eu le temps de faire une roulade et de marcher un peu pour mettre mon critique, c'est pas mal ça. Alors, paf. Pif. J'ai vu qu'il y en avait un qui traînait, on va le geler. Alors, geler le mannequin, ça bloque son effet aussi. Et ça, il y avait déjà avant. Explosive. On va aller upgrade notre comment ça s'appelle. Et ben voilà, j'ai oublié. Si, on va aller acheter le pyro, voilà. Et on va manger un petit croissant, tiens, tant qu'on dit. Voir deux. Alors, hop. Alors, par contre, le par défaut avant, en fait. Si on bougeait pas le curseur, on va dire, pour remplacer une arme, ça remplaçait l'arme de gauche. Maintenant, il le fait pas, il se met au milieu, il était obligé de faire gauche ou droite. Ça change rien, enfin, pas grand chose. Mais quand même faire gaffe et pas se retrouver comme un con dans le menu en mode ça marche ou pas. Putain, mais je suis con quoi. Alors. What? Putain, je pensais pas qu'il viendrait là. Un petit peu de PV, 37% en plus, c'est pas dégueu.
Genre c'est un brutalité ça. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait du pognon. Oh, il doit bien y avoir un portail qui traîne. Ok. J'ai toujours pas trouvé la rose qui est par terre. Merde alors. Bon, on se retape un tour de niveau. Hein. Je l'avais vu en plus. Putain, mais elle est si loin. Là. Je suis vraiment un connard quand même pour l'avoir raté. Alors. On va faire le parcours classique. Tout à l'heure, ça a a priori bien marché. Allons tester. Oh attendez. Au niveau du charnier, y a rien. Un petit secret. Non. Voilà, voilà. On a nos trois clés, ça c'est cool. Au niveau des mutes. Ah non, putain, oui, lui c'est le modifieur. Bon. Plutôt cool cette histoire de d'upgrade le stuff. Ça fait genre, une fois que t'as le bon stuff, bah tu l'upgrade et au pire tu remodifies les modifieurs. Mais sinon tu touches pas. Après, bon, ça change le plus et le plus, mais ça va pas changer de niveau. Hein. Parce que c'est quoi que j'ai upgrade? Ma tourelle lourde? C'est du 2++. Bon, 2++ c'est mieux que 2+, mais ça reste du niveau 2 quoi. Et niveau 2. Berk. Alors. Soins d'urgence, on va prendre ça. C'est une très bonne compétence en vrai. Mais c'est juste que genre quand tu fais une run, bah t'as le droit à tes 4 potions de soins de départ et c'est tout. Bah. Ça sert pas à grand chose au final. Vu que tu vas l'utiliser que 4 fois. Alors que là, je vais me permettre d'être un petit peu plus dépensier au niveau des potions. Ok, donc faut retrouver la clé blanche. Non, mais sans déconner, j'arrive et je me prends un coup. Putain. Oh. Mais d'ailleurs, j'ai pas tilté tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est du vide, ça. Ça, c'est nouveau, les plateformes suspendues. Enfin, je pense que c'est suspendu. Oui, c'est suspendu. Mais c'est sympa. C'est pour jeter les prisonniers, en fait. Par contre, ouais, genre là, mon arc, il a deux modifiers, du coup, vu qu'il est au niveau 2. Ce qui est marrant, c'est que le niveau va vraiment changer selon les runs, j'ai l'impression. Le niveau des items. Oh, la petite baguette, je suis con de l'avoir mangée. C'est quand même une sacrée baguette.
Ah oh bah un croissant, parfait. Alors. Une onde de déni. Niveau 4. On va passer par là, c'est plus rapide, mais on va redescendre. Parce que... Oh, toi. Faut qu'on trouve le... Ah, je suis con. J'aurais dû m'occuper du... de la rune du bélier. Hop. Alors. Bah non, toujours pas. Oh, on s'est amélioré tout à l'heure, c'était 4 minutes, là on est à 2. Oh, putain, j'ai failli me casser la gueule à cause du shield. Ok. On va améliorer la tactique. C'est en vrai pour les dégâts c'est cool, mais c'est surtout le cooldown des toiles. Et en fait tu laisses les toiles jouer quand concrètement. Alors. Oh là! What the fuck? J'ai eu un boost! C'était tellement smooth! Alors, plus de PV. Enfin, de PV, d'attaque. Mais quand même un peu plus de PV. Celle-là, on sait comment faire. Ok, donc première clé, l'entrée a l'air d'être là. C'est marrant, je peux... Wait. Ah d'accord, faut être bien sur le bord. Clé de fleur de lune. Faut que je reste près de mes trônes. Le seul problème, c'est qu'ils descendent pas assez pour que je puisse taper dedans. Adieu. Bon, visiblement, j'ai pas le droit. Hop. Danderche. Alors. Hop, alors nous avons donc peut-être... Oh, des nouvelles toiles lourdes. Niveau 4. Les ennemis brûlent, dégâts subis moins 25% quand vous êtes proche. Et l'autre? Applique de l'huile inflammable. Et les victimes brûlent. Putain, mais c'est le combo parfait ça. Alors on va remplacer ça. Merde. Putain, il me manque 1400. On devrait réussir à les avoir, j'espère. Niveau 4, c'est pas dégueu en vrai. Une run à une cellule. On va peut-être pas les la finir non plus avec des tours niveau 4, mais. Y a moyen de. Alors, par contre, j'aimerais juste pouvoir m'acheter la deuxième vu qu'elles se combattent bien l'une l'autre, franchement, c'est très bien. Réduction du cooldown.
très dangereux de rouler dans la même direction qu'un ennemi. Putain. C'est chiant ces mobs de merde. Ok. Oh putain, je suis obligé de remonter à la mano. Ok. On devrait pas tarder à arriver à la fin. J'aimerais juste pouvoir tuer encore quelques mobs. Ce qui me manque. Hop. Voilà. Là, normalement, j'ai assez de pognon pour ce que je voulais. Ouais, non. On va pas prendre de coffre maudit ce soir. De toute façon, comme je l'ai expliqué récemment, tant qu'on est dans de la découverte, c'est non pour les coffres maudits. Ou qu'il n'y a pas d'enjeu, genre les runs à 4 cellules, j'évitais de les prendre quand j'étais bien avancé, quoi. Ah, j'ai plus le transperce le premier ennemi. C'est moins... Enfin, le premier ennemi, c'était limite obligatoire. Là, c'est quand même moins courant. Après, c'est du niveau 2, quoi. Donc, bon. Ok. On a deux très bonnes tourelles pour ce niveau de jeu. Enfin, à ce niveau du jeu, plutôt, c'est plus français. Hop. Hop, ok. J'ai failli me suicider. Yes, yes. Ok. Is it good? Oh! Hop. Ok, bon, why not? Bah écoutez, on avait torché le niveau. Je vais pas aller chercher le croissant parce que je suis une grosse feignasse. Et voilà. Ok, non, les cellules, on va les garder vraiment pour l'upgrade des armes. Et je peux pas améliorer en restant, ça coûte cher d'ailleurs. Mais reforger des modifiers, c'est intéressant quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Des PV supplémentaires, pas ouf. On va prendre la nécromancie. Pardon. On raconte que certains pêcheurs se sont approchés de la prison et que la suite de cette histoire ne sera pas disponible. C'est marrant ça, pourquoi j'entends pas du coup critique alors qu'il est sur de l'huile? Ah, c'est peut-être la cible est couverte d'huile. C'est pas la cible qui est couverte d'huile là, c'est le sol. Ah là, ça marche! Une épée large, non. L'épée large, je regarde même pas, je la revends. 16 minutes, on est bien là. Et je crois qu'on a la porte chrono. J'ai comme un doute, mais... Ah, il y en a pas. Tant pis. D'accord, et avec ce nouveau palier... Ok. Et du coup, je peux upgrade là-dedans, donc j'ai 800 par défaut. J'imagine que c'est ma compensation. Pour avoir déjà un peu fait... Déjà farmé avec la mise à jour précédente. 50% des objets trouvés seront de qualité plus plus. D'accord. Donc on voit que ça a augmenté. Avant j'étais à 45. Et en gros un palier c'est 5% en plus. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins des paliers. Donc en gros à la fin j'aurai 25% de chance d'avoir un item S. 50% de chance d'avoir du plus plus. Et 100% d'avoir ça. Ouais. Ça veut dire quoi du coup? 25, 25, 50? Ou 25, 50, 25? Ah, ça doit être la première. Bon, après, comme j'ai dit, ça sert pas à grand chose de farmer. Ah oui, c'est vrai que la progression n'est pas sauvegardée, tiens. Qu'est-ce qu'on se fait chier, alors?
Là, par contre, je sais pas pourquoi j'arrivais à faire des runs à 3 boules avant. Et là, je suis sur une et. Je galère. Hop, alors. Faire gaffe aux boules et aux choppers, mais sinon, c'est niveau ça. Même les golems, en vrai, c'est leur gérable. Hop. Les golems, au début, font vraiment paniquer. Hein. Comme souvent, les mobs qu'on va voir pour la première fois. Mais... C'est largement gérable, en vérité. Oh putain, du bon stuff. Non. De toute façon, je suis pauvre. Il y a un vrai problème pour l'argent là par contre. D'où l'intérêt du sauvetage niveau 5. Mais ouais. Des petits coups de pied dans la tourelle. Voilà. Tac. Ok. Ok, donc là il y aura déjà un des deux couloirs. Pour le moment, en tout cas, pas de changement, de gros changements au niveau de l'architecture des niveaux. Merde. Qu'est-ce que tu proposes? Pas un coffre maudit, j'espère. Yes, des mobs, encore mieux. Roule. Ouais. Ah bah, coffre maudit. Génial. Perdre des PV pour baisser ses chances de survie. Vraiment un bon deal. Hein. Ça fait un bruit quand ça tire maintenant. Choqué. Ok, bon. Alors il y en a une en bas là. Sans... Oh putain, on est plus près par là. Et j'ai pas envie de me refaire tout le tour. Bon bah go. Hop. Alors je crois qu'il y a un marchand là à gauche en plus. Pas du tout. Par contre il y a la salle secrète, ça c'est cool. Super salle secrète. Bon, en vrai avec le... Tout le feu ça va. C'est gérable. On va aller à droite. Par contre, ouais, les défis, c'est la folie. D'habitude, même si on les fait pas, on les voit. Mais là, on les voit même pas. On va pas acheter de tourelles parce qu'on est bien au niveau des tourelles. Au niveau des armes, ça va quand même. Hop. Ok. Hop.
Oh, il y a une deuxième partie. Alors c'est arrivé, bon, c'est arrivé avant, mais c'est rare ça, de mémoire. Oh, par contre le golem, ouais. Oh putain, il allait faire une charge. Enfin une charge, un séisme. J'ai une baguette de pain. Hein. Ok. On va remonter, on va passer par la tour de l'horloge. Qui est beaucoup plus facile de mon point de vue que le sépulcre oublié. Et on va en profiter pour repasser chez le marchand. Putain, tu veux pas me grab, ça m'évitera de faire le tour. Bon, tant pis. Le premier mec au monde qui demande à un golem de le grab. Alors. Problème, c'est qu'on n'aura pas assez pour se l'acheter après. Peut-être même en terminant le niveau. Oui. On va attendre de... On va finir le niveau pour farmer et on s'achètera des trucs au prochain. Vas-y. C'est un peu con quand même pour un golem d'être sur une plateforme de cette taille. Oh là! Oh c'est... On me la fait pas moi! Ça c'est une mutation de type général donc... ok. Ah putain, on peut pas remonter. Putain, mais il fallait que je... Connarman. Mais c'est cool, un nouveau parchemin. Alors oui, j'ai cru comprendre que c'était principalement des mutations, les ajouts. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des armes. J'espère bientôt. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression que la zone au-dessus des plateformes qui fait qu'on peut passer en dessous d'une plateforme est plus grande. Enfin, je me comprends. Mais en gros, ouais, c'est plus facile de descendre une plateforme. Genre, vous voyez, là, j'ai pu descendre alors que j'étais plus haut que ce que je fais d'habitude. Genre d'hab, tu vois, on enchaîne, là. Alors que là, en vrai, je saute quand même bien plus haut. Peut-être juste moi qui me met à découvrir des trucs parce que je faisais pas gaffe. Putain, mais... Eh. Vous êtes prêts? It's a trap! Et ça a marché. T'as rien loupé. 100% de la deuxième serrure est ici. Enfin, t'espères. Je sais pas. En tout cas, on a eu un objet, enfin un parchemin, et ça, c'est déjà bien sympa. Oh! Qu'est-ce que j'ai branlé? Un golem élite, je crois que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et donc on a un talisman, c'est le premier. Tain, j'ai l'impression que c'est plus rare aussi. Dégâts subis moins 10%, c'est cool. 1 brutalité, 1 survie, ça va beaucoup augmenter les PV. Récupère l'or et les cellules sans limite de distance, c'est du bonus. Et les attaques plongeantes brûlent le sol, peu importe la hauteur. Ce qui est plutôt sympathique. Bon, alors. Maintenant, faudrait qu'on trouve cette fameuse... cette fameuse porte secrète. Alors on a trouvé un parchemin dans le long tunnel. Je sais pas, ça ressemblait à quoi. Dans ta mémoire, t'as vu le mec trouver le mur caché dans un long couloir vertical. Genre celui-là, à tout hasard. Mais là on a trouvé en fait... Putain. Ah! Mais putain, il monte tout seul! Genre là, tu vois, on a trouvé. Mais c'était un parchemin. À gauche de la map. Ouais, ouais. Mais on a trouvé un parchemin. Alors que je ne trouve plus. Si, il est là. Oh, info. Oh, c'est cool. C'est le parchemin là. Le parchemin peau dure que nous avons trouvé.
Et pas de clé à l'horizon. Mais putain, mais je suis vraiment un connard. Donc a priori, ouais, c'était bien dans cet endroit. Bon. Peut-être que, genre... Alors ça, c'est pas impossible, genre le spawn des... Enfin, t'as plusieurs cachettes, et en gros, imagine, il te faut 3 clés, t'as 5 cachettes, et t'en as 3 où t'auras des clés, et les autres, ça va être des parchemins, et ça va alterner. Ça, c'est possible. Donc, bon, au moins, on repère les cachettes pour les prochaines runs. T'as par contre le couloir vertical, c'est tellement pute. Il reste encore 2 zones après. Peut-être qu'il n'y en a pas ici. Les 2 zones en question étant la tour de l'horloge et le château. Peau dure, conserve jusqu'à... Pas du tout, ça marchait pas. Réduit les dégâts infligés par les pièges de 80%. C'est pour moi ça. C'est la compétence parfaite pour moi. Est-ce que je l'upgrade ou pas? Non. Je préfère avoir des bonnes armes en vrai. Et le problème, c'est que si je l'upgrade, ça va changer le modifieur et elle est plutôt en synergie avec l'autre. Horloge et château, exactement. On n'a pas vu la gardienne du temps depuis longtemps. Ou alors c'était très récent. Wait. Donc maintenant, elle ne s'appelle plus l'assassin, mais la gardienne du temps. Eh bien, je trouve ça grave stylé en vrai. Gardienne du temps, ça pète la classe. Alors le seul problème, ça va être avec mon arc de glace pour geler les cannibales. Enfin, mon seul problème. Voilà, typiquement. Bon, après, vu que j'ai plus de potions, ça peut le faire. Oh, j'ai gelé les deux, là, du coup. Ah, mais du coup, faut se retaper le truc de la cloche. C'était trop chiant, la cloche. Oh. Ouh. Ouh. Celle-là, c'est elle est plus grave que la première déjà. Je fais un premier check vite fait. Par contre, c'est bizarre les critiques qui s'enclenchent pas parfois. Puis pareil, un niveau parchemin, c'est léger. Hein. Un peu de gold. On a 16 cellules. Clé du clocher. Alors attendez. Ah, c'est toujours une. Ce qu'on voit, c'est toujours une améthyste. Bon, après, peut-être qu'on peut utiliser la clé ailleurs. Oh, petit parchemin. Hop. On va prendre des PV parce que les PV c'est cool. Hop. Putain, un pyro s'il te plaît ou un arc. Damn it. Après punition, ça va, de mémoire c'est un bon bouclier. Oh déjà. Ok. Ok, alors... Oh. Attends, j'avais pas vu la porte pour aller dans le tunnel. Enfin, dans le tunnel, dans le pont. Un pont. Toujours aussi beau le background de ce niveau. Adieu.
Alors. Sincèrement, j'ai l'impression que les pourcentages ont été changés parce que 5% d'écart alors qu'il y a 4 parchemins, ça me paraît vraiment peu. Je sais pas. Peut-être juste une impression. Après, en même temps, vu qu'il y a une mise à... Enfin, vu qu'on teste l'alpha, je suis plus attentif, on va dire. Et dès que je vois un truc que j'aurais pas remarqué avant, je vais faire c'est nouveau. C'est génial. Hop. Merde. Oh putain. Oh putain. Un tracker noir élite. Alors attendez. On va essayer de l'attirer. Ok. Izuki. Donc voilà. Apparemment ça drop soit un talisman, soit deux objets. Un de type normal et un de type légendaire. Parce que c'est légendaire que j'en veux. Ok, donc là, la porte pour aller en haut. On commence à sentir vraiment que j'ai un pyrotechnie 3. Hein. 800 dégâts? Mais c'est dégueulasse. Attendez, la run que je viens de terminer, mes critiques faisaient 10 000 de base. Ou 8 000 au moins. Après, en même temps, c'était du S et genre j'avais un niveau 11, je crois. Putain, les niveaux, il y a tant de différences que ça. À chaque mise à jour, je m'en étonne. Enfin, plein de petites merdes. Alors, Osef. Ah mais non putain je suis con. J'ai cru que j'étais juste à gauche là. Putain je suis complètement débile. Alors. Bon, faut être à... J'ai rien vu pour le moment qui ressemble de loin ou de près à une cachette pour une clé. Mais bon. Beaucoup de parchemins du Minotaure. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas de clé cachée dans des endroits comme ça, ça serait chiant. Ouais. Putain. Oh putain. Non! C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est mes toiles qui font les dégâts. Putain, mais un fouet sans déconner! Putain, le non-respect du jeu. Oh, oh ça c'est nouveau. Oh ça c'est nouveau. Oh mais c'est juste un shortcut. Oh la déception. Oh mais il y en a un là aussi. Eh ben. Ouais, alors non. Ce qui sera abusé, ça serait des coffres qui s'ouvrent que si t'es sous malédiction.
Hop. Ouf. Ok. Piège, 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 on s'en fout. En vrai, deux pièges niveau 4, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Non, c'est pas ouf. Mais je préférais avoir des armes. Alors, j'avais déjà la clé pour l'horloge. Et vous voyez ce que je vois là à droite? Eh ben, c'est du décor. Là, le truc, c'est que les pièces secrètes, logiquement, on les voit un minimum sur les... sur les maps. Où est-ce qu'elle pourrait être? Je la verrais bien là à droite en vrai. Ouais. On va checker. Genre quelque part dans le coin, là. Pas du tout. Alors par contre, faut qu'on repère les cloches. On va tenter l'énigme de la cloche. Voir s'il y a un nouveau truc avec. Assez aiguë celle-là. Déjà, on va les localiser. Les deux premières, elles étaient dans la toute première tour. Et je crois que les deux zones sont dans celle-là, en fait. Ah, et visiblement, non. Je me suis gouré. C'était là qu'on était. On va la redescendre. Ok. Donc on avait une là-haut. Et on en a deux dans celle qui a juste à gauche là. Oh, j'ai pas pris de dégâts. Why not? Alors attendez. Là, va falloir faire travailler les oreilles. Hein. Eh, c'est marrant cette pierre là, c'est quoi? Vous voyez là, à ce niveau là, on dirait une pierre avec une rune derrière. Elle est plutôt grave, elle. Ah, moins que celle-là, quand même. Il me semblait avoir entendu une aiguë. On en aurait trois de ce côté, du coup. Bien fou, j'ai m'en bouffer une. On va checker là-haut, mais... Oh putain, j'avais oublié. Je vais checker, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait une dans le coin. Ouais, voilà, bingo. Il nous reste donc la tour de... Il nous reste celle-là. C'est un petit peu chiant, je sais, mais... on explore. Hein. De toute façon, les progrès des alphas ne sont pas sauvegardés. Donc, autant en profiter pour découvrir. Là, on fait des phases chiantes, un petit peu, on farfouille et tout. Et le jour où l'alpha sort, bim. Eh, mais ouais, attendez. Ah non, pas du tout. Je croyais que c'était la troisième serrure. Mais non, pas du tout. Mais attendez, je suis quand même pas taré, hein. J'ai vu que trois cloches. Je suis quand même pas fou. Hop, alors, tac, kick. Pif, paf, pouf.
Ça, c'est la plus aiguë. Des 4, c'est la plus aiguë. Ensuite, nous avons... Pas ça, non. Genre, il n'y en a pas une dans le coin? Ça m'étonnerait. On ne la fait pas, moi. Ah si, il n'y en a vraiment pas, là. Mais où est la dernière? C'est terrible, ça. Il n'y a que 3 cloches, maintenant? Ou c'est juste moi qui sais toujours pas compter? Mais genre, on a tout refait. Attendez, hop. On va tenter celle-là. Vu qu'il y a une grande zone en bas... Ça par contre. ...3850. Pas dégueu, moi je dis. Donc la plus aiguë est tout à droite. Là, on est retourné au tout début et il y a rien, évidemment. Parce que le début du niveau. Donc si on classe, on a un à droite, deux celles-là et trois celles qui est encore en haut, normalement. Ça, c'est la plus grave des trois. Profite un peu de la musique. Tout ça pour un truc, on sait même pas si au final ça va vraiment être utile. Terrible. Forcément raté une connerie. Ou alors non, genre allez. S'il n'y a rien là, c'est qu'il fallait prendre l'autre route. De celle continue. Ouais mais non, alors non. Moi je refuse. J'aimerais bien tester en fait la cloche. La cloche, c'est avéré, on l'avait essayé. Et il y en a 4 activés dans un certain ordre et paf. Merde. Genre là, incapable de trouver cette putain de cloche. C'est quand même terrible, hein. On parle quand même de cloche. C'est pas le genre de truc, un petit détail que tu rates et tout. Puis j'en profite pour regarder tout le paysage sans rien trouver. Écoutez, là j'en suis à un stade du type ça me pète les couilles. Donc, puis vous aussi, j'imagine. Donc on va continuer. Et voilà. De toute façon, on a déjà fait l'énigme des cloches et c'était assez chiant comme ça. Bon, bah du coup, on se serait gouré de route. Donc ça voudrait dire... promenade des condamnés, into toit de la prison, into sanctuaire endormi, into sanctuaire oublié. Vraiment le meilleur niveau du jeu. Passage. Sanctuaire oublié, c'est vraiment le niveau préféré. Je veux bien la passer en S, mais putain, ça reste du niveau 3. Alors, assassin. On aura perdu un peu de temps. Mais... Alors, ce qui est cool, par contre, c'est qu'on a le nombre de cellules affichées. Donc ça, c'est bien. Quand il y a des nouveaux qui arrivent et que j'ai pas précisé dans le titre le nombre de cellules, paf, il y a l'info. Après, c'est vrai que je suis sur la map comme un connard, mais bon. Bon, c'était pas grand-chose. Hein. Oula. Mais non, j'avais ce qu'il veut dire. J'ai plus de munitions. Là je galère du coup parce que j'ai des armes de merde.
Oh putain, mais fais chier, j'avais fait une roulade et... Fuck the shit. Mais non, mais non, mais non, mais non. Oh. Ah, ça doit être ma munition qui a traversé... What? Oui, c'est mes munitions de glace qui traversent toute la map. Par contre, regardez-moi. Mais... Oh putain. Mais même ça, c'est mieux. Regardez, 1475 de bars. Je suis désolé, mais je vais être obligé de prendre ça, parce que mon pyrotechnique 3, bah, ça pue un peu. Mais le problème, c'est que le c'est une arme de corps à corps. Les armes de corps à corps, moi, je veux bien 5 minutes, mais... Château de haute cime. Ok. Ah, y a peut-être moyen d'avoir un palier. Pas du tout. Oh, mais ça a coûté une blinde. Puis alors là, en bas de 8000, il y a combien de paliers? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8000 divisé par 6. Beaucoup. Non, ça fait plus de 1000, ça fait 1200. Truc du genre. Mais genre avant de débuter le combat, ils ont peut-être fait comme ça. Ah là, j'avais pas vu le premier commentaire. Ah au fait, tu crois qu'il y a un schéma secret peut-être dans la salle du dernier boss? On sait jamais. Mais c'est vrai qu'on avait émis l'hypothèse tout à l'heure d'un schéma dans une salle de boss. Bon, le château. Le château, honnêtement, ça peut le faire, surtout grâce aux tourelles. Il y a deux gros problèmes, c'est que mon arc, les munitions ne traversent pas les ennemis. Et mon pyrotechnique pue. Mais il pue vraiment. Super bien. Mais putain, il est hors champ. Il y a l'huile qui fonctionne une fois sur deux, j'ai l'impression. Oui, peut-être, non, peut-être, éventuellement que... Ok. Profites-en pour fouiller ici, comme ça tu connaîtras la cachette pour les futurs runs. Ouais, c'est le but. De toute façon, là, c'est découvert de l'alpha, donc on fouille, et une fois que... Oh. Transperce le premier ennemi. Les victimes brûlent, pardon. Bon, pas incroyable, mais c'est toujours mieux. Réduction de dégâts de 25%. Ce qui est toujours plus intéressant que l'autre. On a un bon arc. Enfin, on a un bon arc. Ça passe. Mais ça devrait aller. Mais oui, là, du coup, on fouille et... Mais non, mais non, mais... Putain, c'est tellement chiant. Faut vraiment enlever ce ralenti des tourelles dans le piège. Munitions avec tous les mobs que j'ai buté. Eh, mais elle traverse pas les ennemis, mes tourelles en plus. Oh putain. Je sais pas pourquoi il venait pas. Hein. Torche. Ouais, regardez, ça fait bien plus de dégâts. Hein. Oh putain! Après, honnêtement, je pense pas qu'il y ait des cachettes dans les portes. S'il y en a, elles doivent vraiment être dans le niveau lui-même. Ouais, non. Mais non, mais non, mais non, mais non! Regardez, il est en plein milieu et il prend pas les...
Oh là. Oh là. Oh là. Parti à perpétuer une bouille. Oh, ça coûte moins cher. Parce qu'avant, tu c'était genre 40 000 là. Pour ces cellules. Ok, plus de dégâts. Pour compenser, j'ai déjà pas beaucoup de parchemin de technique, honnêtement, ce stade du jeu, je trouve. Mais alors, le stuff en lui-même. Putain, les animations par contre. Pif paf pouf. Après, en même temps, juste avant, on a fait une run avec genre l'arc de glace qui transperçait tout le monde. Donc, forcément, ça aide pas à prendre de bonnes habitudes. Putain, 8100 Puis des rubis comme ça, on en trouvait que sur les boss, je crois. Ok, on a trouvé le... la fin du niveau. Oh, il y a un parchemin de Minotaure là-bas. Et là, il y a un parchemin de puissance. Bah écoutez, putain, j'arrive pas à monter. Je suis un peu trop près des pics, j'aime pas ça. Par contre, la thune monte tellement vite à ce niveau. Ok. On va le faire avant d'aller chercher le parchemin. Genre quoi, les lanciers ils ont un super pouvoir qui permet d'entendre les bruits de pas à travers les portes. Ah, dedans. Merde, il y en a une en dehors. Marrant, tiens, j'ai pas eu d'armes cette fois. Oh putain, mais non, fous-moi la paix. Putain, mais vous avez vu jusqu'où ils peuvent taper? On va pas aller en haut. Il semble que la cachette est dans une zone au plafond. Oh. On va voir. Ça, il me semblait bien avoir déjà vu la porte verte. J'étais passé à côté sans rentrer dedans. Alors, marchand. J'avais le droit à un dernier reset. Ouais. C'est mauvais. En fait, le dernier boss, on va poser les tourelles et on va tourner autour. Ok, alors. Brutalité. Oh là ! Je m'y attendais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Félicitations, vous avez obtenu un casque-noisette, la meilleure arme du jeu ! Du bon stuff peut-être. L'espoir subsiste. L'espoir a disparu.
Après, nos tourelles sont pas si fortes que ça, mais elles sont en bonne synergie, on va dire. L'arc de glace, bon, transperce le premier ennemi, c'est bien. Mais ouais, faudra vraiment choper la maturité. Après, le problème, c'est que maintenant, vu que le fait que tes items soient en S ou en plus ou en plus, ça ne dépend plus de ton skill. Enfin, de ton skill, de ton investissement en cellule, mais plutôt de ta chance. Le légendaire sur la pire arme du jeu. Ah, le casse-noisette, c'est une horreur. Le casse-noisette et l'épée large. Encore, l'autre jour, j'ai réussi à me démerder un peu avec l'épée large. J'ai pu tuer quelques ennemis. Non, le casse-noisette, non. C'est le suicide de la part des ennemis. Cette salle est méga stylée. Ils l'ont refaite, elle est méga stylée. Elle est méga stylée. Elle est méga stylée. On va peut-être en apprendre plus sur le lore du jeu. Ça me rappelle Hyper Light Drifter avec les trucs qu'il y avait de partout. Mais c'est grave bien. Dégâts subis, moins 35%. Bah, je vais le prendre à la place de pyrotechnie. On va faire ça. Regardez, moins 10, moins 25 et moins 35. On arrive à quoi? Ça fait moins 60, moins 70. Donc voilà, ça sera ça en fait. On va se défendre pendant que les tourelles font le taf. Heureusement que les tourelles ont des munitions illimitées par contre. Hein. Allez. Bon. Un petit pyro, même pas légendaire, hein. Juste un pyrotechnique. Il y a plein de... Là, toutes les armoires de magie, là, avec les popos et tout, il n'y avait pas. Oh, il y a un coffre. Regardez là, putain, il était à la limite de l'huile et il prend les coups critiques. Alors que l'autre était à peine en dehors et... Ok. Ouais. Il reste à gauche et puis sinon on a fait à peu près le tour du niveau. Pour une alpha, c'est propre. Oh, le jeu a toujours été assez propre. Il y a juste les micro-lags au chargement depuis la dernière mise à jour, mais à part ça... Si, il y avait le cimetière avant. Mais ça, il n'y a plus. Le cimetière avant, enfin, je sais pas si c'était pareil pour tout le monde. Mais dans la zone où il y a la... Pour descendre dans la crypte, il y avait un bon petit lag. Hein. Oh! Oh! Ça ressemble à une arme plus qu'à une mutation. On sait à peu près comment c'est. On sait qu'il faut au moins deux fleurs de la lune. Je pense que la troisième c'est aussi ça. Le problème c'est que genre les fleurs de la lune, tu chopes les clés du jardinier dans la promenade. Pop, 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 pop. C'est là. Après tu vas dans les toits de la prison, paf, tu chopes ta première clé fleur de lune en échange d'une jardinier. Ensuite, après les toits de la prison, il y a le boss. L'ultime schéma du jeu. Le boss, attendez, le pont noir. Après les toits de la prison, il y a le pont noir. Après le pont noir, il y a le sanctuaire endormi. Et après, il y a la tour de l'horloge. Mais ce qui veut dire qu'en faisant le guet des brumes, puis le sépulcre oublié, on a les deux autres. En gros, faut passer par le guet des brumes, a priori. Peut-être. Sachant que le guet des brumes, c'est un niveau que je déteste. Et le sanctuaire oublié, pareil. Certainement les deux pires niveaux du jeu. En termes d'amusement.
D'accord. D'accord. Je suis tellement désespéré, j'aurais pu y aller à l'épée maudite. J'ai pas beaucoup de PV, hein. Mais j'ai une strat. On va switcher du vampirisme, enfin nécromancie, pardon, au 30%. Faut passer par le guet des brumes et le sépulcre oublié. Ouais, voilà. Ça fait chier. Ok, oui, ça fait chier. Oh non non. 56 cellules, ça se ferme vite, j'ai envie de dire. Bah écoutez, par contre, je vais upgrade ma pyrotechnie. Coup critique. Ah, c'est déjà mieux. Mes coups critiques, enfin mes coups de base font les dégâts de mes coups critiques avant. Et j'ai deux en tactique, ça c'est cool. Pourquoi il est en S d'ailleurs? Transperce le premier ennemi, des vers sortent. Saignement, ça c'est cool. Je peux les augmenter en S maintenant. En quel honneur? Le jeu m'a estimé digne. Par contre j'ai pas assez pour reset mes mutations. Si! Alors du coup, nous allons prendre le soin d'urgence pour éviter de crever pendant qu'on soigne. On va prendre les PV plus 30%, ça devrait nous monter à 8000. 8500 même, facile. Et nous allons prendre la réduction du cooldown. 8700, voilà. Bon. Alors, on a une réduction de dégâts de 40% grâce au nouvel arc. Why not? Bon. C'est cool cette forge clandestine. Non, ouais, le nouveau truc avec la forge est cool. Putain, c'est trop beau cette image. C'est pas le même boss. Ah, mais c'est tel qu'on le voyait sur l'image. Oh, nouvelle animation de départ. Et en plus, il me provoque. C'est bon, il est presque à un tiers de la life. Vert dégoûtant élite. Vraiment les meilleurs mobs du jeu, les verts dégoûtants. Parce qu'il y a seulement un mob qui n'est pas dégoûtant. Oh non 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 non. Oh. J'ai vu ma mort passer de près. Oh ça c'est le méga dash. Nice, on a terminé. C'est marrant ça. Et genre ça fait quoi, je tombe dedans, je peux pas ressortir? Bon. Embarcadère, donc nous avons... Enfin, ouais, le jeu n'est toujours pas fini du coup. Enfin, sauf si c'est la vraie fin. Mais eh bien écoutez, nous avons des cellules à investir. Et nous avons presque le prochain palier. Les paliers ont l'air d'être à coût de 250. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, bah c'est ça, a priori. Ok, bon. Bah on a gagné un parchemin, quelques cellules bien farmées, bien méritées. Putain, en tout cas, la mise à jour est cool. Oh, la voix du truc. Trop bien. Bon, donc c'est toujours pas la vraie fin. Bah voilà. Attends. Les prisonniers chanceux avaient une fenêtre dans leur cellule. Ils ont fini par respirer les cendres du charnier. Pas ouf. Bah écoutez. Et là genre ils ont remis un truc là. Bon bah voilà. Une run... Non c'est cool. Alors la mise à jour honnêtement...
Putain, c'est vrai, l'arc du fils du geôlier. Tellement pas l'habitude de ces arbres. Ça, c'était les arbres du début. Les pérouillés. Putain. On les trouve même pas en vrai. Et le vieux bouclier en bois de merde. On peut pas les vendre, j'imagine. Ouais. Bah alors, la mise à jour est... Il y aura une grosse mage vers mai-juin pour la fin. Ouais, voilà, ils vont donner la vraie fin pour mai-juin. La mise à jour est vraiment pas mal. Il y a plein de... Alors, le nouveau système de la forge... Alors déjà, niveau interface, c'est top. Franchement, l'interface, c'est juste génial. Tout ce qui a été refait, notamment là, le truc de progression, c'est vraiment bien foutu. Enfin, ouais, il y a plein de trucs qui sont bien. Alors, il y a aussi un truc tout con, mais genre qui est les couleurs pour les brûlures, les saignements, enfin, pour tout ce qui est DPS, c'est vraiment génial aussi. C'est vraiment bien. Bon, il y a un bestiaire, c'est un peu classique, quoi. Mais ça fait toujours plaisir, voilà. Porteur de bouclier. Il faudrait que le mec a juste un bouclier, en fait. Le rôle du mec, c'est tiens, tu prends un bouclier, c'est tout. Enfin, voilà. Mais la nouvelle mage est cool. Bon, on a vu un seul parchemin. Et bon, voilà. Bon, il y a le délire avec les clés des fleurs de lune. Ça va être un gros bordel. Un gros, gros bordel, je sens. Mais c'est cool. Alors, les nouvelles mutations, du coup, il y a juste... Alors, on a juste vu les grenades. Maintenant, la réduction du cooldown des compétences actives, elle est séparée, elle est différenciée avec les grenades. Celle des grenades étant d'ailleurs basée sur la brutalité et non la tactique. Il y a quoi d'autre? Le nouveau système de cellules est sympa. Surtout que les niveaux en eux-mêmes ont l'air d'être moins durs. Enfin, je trouve les niveaux moins durs. Tout à l'heure, quand on a commencé avec 4 cellules, histoire de tester, il y avait moins de mobs que la run à 4 cellules que j'avais faite en bêta sur l'ancienne mage. Donc, non, non. Peut-être une cinquième cellule à prévoir, du coup. La cinquième cellule, tu prends un coup, tu meurs. Franchement, ils en seraient capables. Enfin, voilà. Donc, ouais, des nouvelles mutations, j'ai pas tout vu, mais qui ont l'air assez sympas, intéressantes. Bon, même si, personnellement, je resterai très certainement sur mon build qu'on avait fait... Oh, putain, deck d'assassin et arc rapide. Pas mal pour un build run. Donc, ouais, je resterai sur ce que j'avais, à mon avis, à voir s'il y a des nouvelles armes. Ça, je ne sais pas. A priori, c'était surtout des mutations. Bon, au niveau des... Sinon, il y a quoi d'autre? Ouais, il n'y a pas tant de changements, en fait. Concrètement, il y a quoi? Il y a les cellules, il y a les interfaces, et il y a les... Merde, la forge. C'est un petit peu dommage d'avoir farmé pour le S pour rien, mais c'est cool, parce qu'ils auraient pu faire genre l'ancien système, alors pour les plus récents joueurs d'entre vous, l'ancien système, si je dis pas de conneries, il n'y avait pas le plus, ni le plus, ni le S. Comment c'était l'ancien système? J'ai un doute, je me souviens même plus trop en vrai. Parce que là, du coup, le tout nouveau... On améliore et en gros c'est des probabilités de choper des items d'une certaine classe. Avant, on améliorait pour upgrade les items à une certaine classe. Du coup, genre, de base, t'avais un item lambda, tu pouvais l'améliorer en plus, puis en plus, puis en S. Ça, je pense que tout le monde ici le sait. Mais c'était quoi avant? Déjà avant, c'était même pas la forge, ça se faisait auprès du collecteur. Que ce soit les upgrades ou les achats de nouveaux parchemins, tout se faisait auprès du collecteur. Ça devait être une bête upgrade. Un truc un peu comme avant. Mais le problème, c'est qu'ils avaient tout enlevé pour le rajouter plus tard. Et du coup, bah, rien n'avait été sauvegardé. Alors que là, comme ils font une transition directe, ils ont quand même fait en sorte que t'aies pas tout farmé pour rien. Ce qui est cool. Puis voilà. Mais ouais, bon, après, à voir comment ça se goupille. Mention spéciale à la nouvelle interface. Puis il y a des petits sons, des petites animations de ci, de là qui sont vachement sympas. Donc, ouais. Putain, il y a quand même beaucoup de trucs. Hein. La nouvelle interface est sympa. Elle fait vachement plus carré. T'as tout qui est bien aligné, t'as tes petites infos en bas. C'est sympa. La salle, putain, on a battu le lacérateur élite du château. La salle dans laquelle il était, elle était magnifique. Enfin bref. Hop, retour à l'écran titre. Hop. Alors par contre ce qui est marrant c'est que sur le baguette alpha là en haut à droite l'image,
C'est pas le même boss. Alors je crois que c'est un artwork, même un fan artwork. À voir. Hein. Enfin bon. À surveiller, hein, comme d'habitude, Dead Cell en surveille. Il y a plein de jeux avec des mises à jour sympas qui vont sortir. Enfin non, des jeux déjà sortis qui vont avoir le droit à des bonnes mises à jour. Je coupe le record peut-être aussi.